présenté par Dominique Amiot. Twirling bâton, un sport que vous ne connaissez peut-être pas. To twirl en anglais, T-W-I-R-L, cela veut dire tourner, faire tourner. Twirling bâton, le bâton qui tourne. Dans quelques temps, si elle continue à pousser, il me sera même possible de me twirler la moustache. En attendant, c'est un championnat du monde qui va avoir lieu sous mes pieds. Celui de twirling bâton, justement. Nous sommes ici au Palais des Sports de Saint-Ouen, dans une salle de 3000 personnes. Nous arrivons maintenant à celui qui a enthousiasmé le Palais des Sports de Saint-Ouen, Marc Nash, États-Unis lui aussi, qui terminera seconde ces championnats du monde. Mais un solo ici en libre, tout à fait étonnant. Non. Là, sur le pouce, très, très difficile. Une expression artistique hors du commun. Très bonne prestation pour ce pays. Il ressent absolument toute sa musique. Tout est bon du début. Enfin, la technique est bonne, l'artistique est bon. Quelques instants après ce moment très chaud du championnat du monde pour aller faire une petite championnat du monde de twirling bâton avec cette fois-ci les équipes. Le twirling se pratique aussi en équipe. Oui. Ici les champions du monde, l'équipe d'Italie. Équipe d'Italie. Déjà champion l'année dernière. Alors beaucoup de précision également pour cette équipe. Notation des équipes. Les équipes sont notées de trois notes, principales notes.
Le contenu, la précision et l'effet général. Donc tout entre en jeu et c'est beaucoup plus difficile de faire de la haute technique en équipe car effectivement tous les éléments de l'équipe doivent faire absolument les mêmes mouvements ensemble. Il y a un gros travail de chorégraphie là. Ah c'est énorme, effectivement. Travail de chorégraphie, ça c'est très important. Magdalena, c'est une soliste déjà qui concourt en soliste, comme nous avons vu au championnat d'Europe. On peut citer les sept autres peut-être. Il y a aussi Elisabetta Zaramella, donc la sœur de Magdalena, Stefania Trenin, Caterina Steka, Chiara Rampin, Martina Libero. Oui, Martina, elle aussi. Voilà, que nous trouvons également toujours en soliste. Paola Gotardo, Milena Granto et puis Ariela Arcolini. Très attention. Et puis c'est l'échange de bâton. Et l'échange, bon, il y en a effectivement des plus ou moins compliqués. Le tout, effectivement, c'est de réussir et d'enchaîner immédiatement. Voilà, là, ils enchaînent par des pauses, mais de toute manière. Voilà, rattrapage nuque ici, illusion. Il faut également que la technique de la danse soit pure. Il n'est pas la peine de tenter de faire de quelques mouvements et de ne pas les réussir absolument que tout soit parfait et en harmonie. Le tout avec d'incessants changements de formation. Voilà. Il faut absolument que ça soit que la chorégraphie bouge. Et se servir effectivement souvent des accents de la musique. Très bonne prestation de l'équipe italienne. Il lui vaudra donc la médaille d'or. Voilà. Une chorégraphie claire, tout est bien réussi. Voilà. Pardon, des Français tout à l'heure, de l'équipe de France. La voilà. Elle terminera quatrième en équipe chez les dames. Cela dit, je pense qu'on peut quand même parler du grand absent de ces championnats du monde. Il est français, il est champion d'Europe, vous ne le savez peut-être pas. Il s'appelle Pascal Dumas. S'il n'a pas participé à ces championnats du monde, c'est parce qu'il s'est blessé lors des récents championnats d'Europe. Ils sont passés à Vevey il y a peu de temps. C'était le grand absent. Voilà, c'est sûr. Pascal nous manquait effectivement. Nous espérons simplement qui retournera à la compétition très très vite et nous attendons un bon rétablissement. Cela dit, une très bonne prestation en équipe, là, et en tout cas en figure libre de l'équipe de France. Oui, l'équipe de France, bon, le championnat, donc au niveau des équipes, il y a eu un préliminaire équipe et une finale équipe. Et elles ont effectivement nettement mieux travaillé à la finale et c'était du bon travail. Cinquième donc après les préliminaires, la prestation qu'elles ont fait en finale leur a permis de gagner une place pour terminer quatrième derrière l'Italie, seconde les États-Unis, troisième le Japon, quatrième donc la France, cinquième le Canada. Soutenu par le public, hein. Un public très très présent, un peu chauvin, hein, les rois le dire. Toujours un peu chauvin. Ça les aide quand même, hein. Pour le praticable, ça les aide énormément. Là, elles nous font une démonstration de Fujimi. Fujimi ensemble. Parfois, effectivement, au moment des échanges, certaines athlètes
se retrouve avec deux bâtons et il y a des... C'est pas une erreur, hein. Non, non, ce n'est pas une erreur. Et ça ne compte pas, effectivement, comme erreur. Compris. Dans l'évolution, dans la chorégraphie. Alors, quand même, avec trois bâtons. Et trois bâtons. Alors, un tour, illusion tour, très bon. Très bonne exécution, donc rien de problème. Voilà, ensuite, il a dit, puisque le public l'avait élu, nous allons terminer ces images avec Marc Nash, donc le second, au ralenti. Merci Dominique Amiot d'avoir commenté ces images avec nous. Merci, au revoir. Voilà, le championnat du monde 87 de twirling bâton, c'est terminé. J'espère que ce résumé vous aura plu. Une dernière chose, vous avez remarqué que j'avais des lunettes de soleil. Pourtant ici, il pleut. Je vais tout vous avouer, moi aussi. J'ai essayé de faire tourner le bâton. Je me le suis mis dans l'œil. Allez, au revoir. Et à bientôt dans Sport Loisirs.